Bien-aimés, comme promis, nous restons dans notre leitmotiv sur la valeur de la piété qui se fonde sur les trois points que nous avons commencé à développer. Nous avons parlé de l'amour de Dieu, nous avons parlé de la connaissance de Dieu et nous allons parler de la crainte de Dieu. Parce que toutes ces choses sont liées pour nous permettre véritablement de rentrer dans ces choses que Dieu a préparées pour nous. Donc, la crainte de Dieu ne doit pas manquer. Maintenant, tu as ouvert ton cœur pleinement à l'amour de Dieu. Et tu es rempli de l'amour de Dieu. Et nous avons vu que l'amour de Dieu, c'est ce qui nous donne aussi de nous aimer les uns les autres. Et surtout, c'est ce qui nous donne l'amour de la vérité. Et la vérité se fonde forcément sur la connaissance. Et c'est ce que nous avons vu. Et il y a beaucoup de choses à dire sur la connaissance de Dieu. Dieu est un Dieu qui se révèle. Et il veut être connu. Parce que comme a dit Pasteur Jocelyne, il est notre Père qui nous a préparé un grand héritage. Il veut être connu. Et si dans l'histoire de l'enfant prodigue, le fils aîné s'est mis en colère par rapport à ce que son père a fait vis-à-vis de son frère, cela montre qu'il ne connaissait pas son père. Et d'ailleurs, c'est pour ça que son père lui dit, « Mais attends, ce qui est à moi est à toi. » Effectivement, quand on ne connaît pas quelqu'un, on ne comprend pas en fait comment il agit. Donc, il veut faire comprendre à son fils que tu ne me connais pas, parce que dans la réaction de son fils, il a vu que son fils ne le connaissait pas et donc ne le craignait pas aussi. Parce qu'il sous-entend que son père est injuste, il sous-entend que faire miséricorde est injuste. Voyez? Donc, on comprend bien que la connaissance de Dieu est quelque chose de fondamental. Et cette connaissance va engendrer la crainte de Dieu, en fait. Quand vous le connaissez, vous le craignez. Donc, c'est pour nous un grand avantage aujourd'hui, puisque nous aimons Dieu, nous voulons véritablement marcher dans ses voies. Il nous faut faire une percée aujourd'hui au sujet de la crainte de Dieu. Parce que la crainte de Dieu va tout changer. D'abord, on a parlé des promesses et de l'héritage. Voyez, dans 2 Corinthiens 7, le verset 1, il nous est dit, « Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. » La sanctification, c'est ce qui nous met à part pour Dieu. Et nous avons besoin d'être à part parce que le monde est un monde de corruption. Dans le monde, il y a plein de dieux. Et donc, chacun suit ses choses pour mieux accomplir ses propres volontés. Quand vous faites le choix de suivre des idoles qui ne sont pas des dieux, c'est bien pour vous donner un dieu, selon vous, qui effectivement, lui va obéir, selon votre pensée, à ce que vous voulez. Donc, quand l'apôtre dit de nous sanctifier de toutes les souillures, c'est le principe même de l'enseignement de la parole, puisque Dieu nous enseigne comment nous devons vivre, comment nous devons suivre ses voies pour recevoir l'héritage de la vie. Parce que ce qui est important pour nous en tant qu'êtres vivants, c'est la vie en fait. Il faut vivre. Et la vie, c'est la connaissance de Dieu, parce que sans Dieu, c'est la mort. Il ne faut pas que tu considères que les quelques secondes que Dieu t'a données pour vivre sur la terre, ce que tu peux appeler 80 ans, 100 ans ou même 120 ans, il ne faut pas que tu penses que c'est beaucoup. Ce n'est pas beaucoup, en fait. Parce que la vie est éternelle. Parce que Dieu, c'est la vie. Quand Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie »,
Donc, la vie est éternelle et l'homme a été créé pour vivre éternellement. Donc, je ne peux pas maintenant laisser Satan te corrompre que dans les 80 ans que tu as, profite. Et puis que tu vas aller périr loin de Dieu. La vie est attachée à Dieu. La vie, c'est Dieu. Parce que Satan n'a pas la vie. Les démons n'ont pas la vie. Et tous ceux qui se détournent de Dieu n'ont pas la vie non plus. Donc nous avons compris qu'il faut se sanctifier, c'est-à-dire se séparer du monde qui va périr. Se séparer du péché qui est raté la cible. Se séparer de l'iniquité parce que ces choses emmènent au jugement dernier. Et le jugement est fatal. Nous, nous acceptons d'être gens de la maison de Dieu parce que dans la maison de Dieu, puisque Dieu enseigne la justice et quand nous agissons mal, il nous reprend parce que nous sommes des héritiers et nous avons l'héritage de la vie. Mais ceux qui n'ont pas l'héritage de la vie viendront en jugement devant Dieu et le jugement sera fatal. Parce qu'ils ont refusé, l'offre de Dieu. La Bible dit que tout homme a péché et séparé de Dieu. Et Dieu donc a trouvé le moyen de nous sauver et il a offert son Fils pour que nous puissions avoir accès à la vie. Et ceux qui refusent par le manque d'amour de la vérité se mettent eux-mêmes en danger parce que devant ce jugement, tout est fait, te condamneront et toute bouche sera fermée. Donc nous acceptons de nous sanctifier, nous ne pouvons pas être ici et avoir un problème avec le fait de se sanctifier, de penser que nous aussi on va marcher comme les gens qui n'ont pas Dieu et dire après que notre Dieu est un Dieu de justice. Non, nous devons donc savoir que nous avons fait le choix d'être délivrés, le choix d'être guéris et nous marchons dans la sanctification. Et à partir de là, on nous montre ici que la crainte de Dieu, c'est le degré supérieur en fait de la sanctification. Une sanctification qui n'aboutit pas à la crainte de Dieu a échoué. Voilà. Parce qu'être sanctifié, c'est être mis à part pour Dieu. Et nous voyons aussi dans la Bible des gens qui ont marché avec Dieu et que ça s'est mal terminé, qui n'ont pas pu marcher avec Dieu. Donc on peut dire ici qu'ils n'ont pas expérimenté la crainte de Dieu. Parce que ce qui peut effectivement amener à un tel échec entre quelqu'un qui croit, qui veut marcher avec Dieu et que ça se passe mal, c'est qu'il n'a pas pu atteindre la crainte de Dieu. Parce que comment Dieu va rejeter quelqu'un qui le craint? Vous voyez? Et nous savons tous que même les parents, ce qu'ils attendent de leurs enfants, c'est cette attitude de crainte, c'est-à-dire cette attitude honorable, c'est-à-dire où on aime tellement qu'on craint de mal faire. Parce que c'est ça la crainte de Dieu. Certains confondent la crainte avec la peur. Non, ce n'est pas la peur. Parce que si vous avez peur de Dieu, vous ne pouvez pas marcher avec lui. Mais quand vous avez la crainte, c'est ce profond respect. Et vous craignez d'être séparé de lui. Donc du coup, qu'est-ce que vous faites? Vous cherchez à plaire au Seigneur. Parce que vous sentez déjà que ce serait un désastre si le Seigneur s'éloigne de moi. Donc, vous commencez à veiller, en fait. Donc, vous craignez ce que vous voulez garder précieusement. Voilà. Comme vous pouvez craindre de perdre quelque chose de précieux. Mais vous ne craignez pas de perdre des choses qui ne vous sont pas précieuses, en fait. Il y a des choses que vous avez, dès que c'est perdu, oh, vous dites, oh non. Et parfois même, vous dites, bon débarras. Donc, la crainte est attaché à l'amour de Dieu que nous avons déjà vu. La crainte est attachée à la connaissance de Dieu. C'est pour ça que ces trois fondements sont liés pour vous permettre de vous poser sur un socle solide et déployer votre piété devant le Seigneur. Quand nous avons parlé de la connaissance de Dieu, et là je me réfère une transition avec ce passage. Parce que dans l'Église, les choses doivent être précises. Parce que c'est comme ça que le Seigneur a établi l'Église. Il a enseigné à ses apôtres, à ses disciples, des choses précises qu'eux-mêmes ont transmises à l'Église afin que l'Église puisse marcher vraiment dans la consécration.
Colossiens 1, à partir du verset 12, il nous est dit, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils, dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste par lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. La première des choses, c'est bien connaître Dieu. Et vous ne pouvez connaître Dieu que parce que vous connaissez en fait Jésus. C'est ça qui est dit ici. Et pour beaucoup de chrétiens encore, il y a des problématiques à ce niveau-là en fait. Quand Jésus dit à ses apôtres qui lui demandaient « Montre-nous le Père », il dit « Mais tu m'as vu et tu demandes le Père ». C'est ce qui est dit ici. Il est l'image découverte du Dieu invisible. Et une fois de plus, je veux que tu connaisses et que tu comprennes. Quand Dieu est descendu dans le jardin d'Éden au jour de la désobéissance, il a proclamé des décrets. Il a dit notamment au serpent, parce que tu as fait cela, entre autres, il a dit que je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Ça veut dire que dès le début d'Apocalypse, cette révélation qui a été donnée à Abraham, à Isaac et à Jacob, à ce peuple hébreu qui a eu la révélation de Dieu et qui a marché dans cette connaissance que Dieu va s'engendrer pour venir au milieu des hommes. C'est-à-dire, Dieu lui-même deviendra la descendance de la femme, celui qu'on appelle le Christ, le Oint. Donc, les Juifs, ils savent ça, ce qu'on appelle Emmanuel, que Dieu va visiter son peuple, qu'il viendra lui-même sur la terre pour régler le compte de Satan. Donc ça, ils le savent. Et pourquoi aujourd'hui, il a besoin d'insister sur le fait que Jésus est Dieu, c'est-à-dire la parole qui devient chair. C'est que quand on parle des religions monothéistes, on a toujours l'impression qu'on parle de la même chose. Non. Quand, par exemple, les musulmans disent que Dieu n'a pas de fils. Ça veut dire quoi, en fait? Donc, ils parlent de leur Dieu, qui n'a pas de fils. Mais ça ne nous concerne pas, en fait. Parce que ce n'est pas le même Dieu. Le Dieu auquel nous croyons, c'est le Dieu des Hébreux. Et qui, dès le commencement, a dit que le Christ viendra.
Donc, les Juifs eux-mêmes, leur problème, les Juifs ne disent pas que Dieu n'a pas de fils. Ils ne disent pas ça. Même s'ils ont contesté avec Jésus. Ils ont dit, oui, toi tu dis que tu es le fils de Dieu. Donc ça veut dire qu'ils savent que Dieu aura un fils, il va s'engendrer. Ils ont reçu toutes ces promesses, un enfant vous est donné. Donc ils ne contestent pas le fait que Dieu a un fils. Mais ils contestaient que ce n'est pas toi. Vous voyez? Déjà, cette différence qu'il faut comprendre. Maintenant, s'il y a d'autres révélations qui affirment que Dieu n'a pas de fils, donc ça ne nous concerne pas. Et ça ne concerne même pas les Juifs. Parce que leur challenge à eux, c'est de reconnaître qui est le Christ. Mais ce challenge, il ne peut pas être le nôtre. Parce que nous, si nous sommes là, et si nous parlons du Dieu des Hébreux, c'est que nous avons la démonstration que Christ est venu et qu'il nous a emmenés à Dieu. Voilà. Sinon, par quel moyen? Quel prophète aurait pu nous emmener à Dieu? Quel prophète? Puisqu'il y a eu beaucoup de prophètes. Lequel nous a emmenés à Dieu? Lequel a eu la puissance de nous emmener à Dieu? Lequel? Moïse? Jérémie, lequel aurait pu emmener le monde à Dieu? Donc on sait que il n'y a que le Christ, puisque Jean-Baptiste lui-même dit, celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. C'est lui en fait qui est le sauveur du monde et le rédempteur de l'humanité. Et les rendez-vous manqués entre les enfants d'Israël et leur Seigneur et leur Sauveur, c'est écrit aussi dans la parole. C'est écrit dans la parole. Donc je veux que tu saches que tu connais Dieu. Tu le connais et il te connaît. Et il t'aime. Tu le chantes là tous les jours. C'est ce Jésus-là en fait. Parce que si nous manquons cette connaissance, on ne va pas pouvoir, en fait, atteindre cette crainte de Dieu, puisque du coup, toi aussi, tu dis que toi aussi, tu ne le connais pas. Il faut que tu affermisses la vérité qui fait que tu connais Dieu, parce que Jésus-Christ est venu pour que nous puissions le connaître. Parce qu'on n'épouse que quelqu'un qu'on connaît. Et l'Église est l'épouse du Seigneur. On ne peut pas être dans la confusion. Et tout ça, souvent, c'est à cause des héritages, des croyances qu'on reçoit. Même quand vous êtes chrétien ou à l'église, il y a des croyances que vous recevez. Plein de choses, en fait, qui sont là, qui traînent et qui vous empêchent véritablement de faire cette percée pour être vous-même disciple véritable de Jésus, disciple 100%. Quand nous prenons par exemple même l'héritage catholique, quand vous grandissez dans le catholicisme, vous serez quand même impacté par beaucoup de choses qui laissent peu de place à Jésus en fait. Il y en a beaucoup qui sont complètement noyés dans le culte de Marie. Et les saints n'en parlons pas. Vous avez besoin de faire une percée dans la connaissance de Jésus. Vous avez besoin de connaître l'époux. Et c'est pas aussi facile que ça. Parce que toutes ces croyances-là, ça prend la place dans l'inconscient, dans le subconscient. Et donc, c'est facile de se dire, comme souvent c'est le cas, bon, voilà, il y a tous ces saints, il y a Dieu, il y a Marie, mère de Dieu, et puis il y a à côté le petit Jésus. Ouais. Le petit Jésus, le petit enfant mignon et tout ça. Et tout ça, c'est là, en fait. C'est là. Parce que du coup, tu as du mal à voir que c'est lui qui est Dieu. Et il faut bien lire le livre d'Apocalypse pour voir qu'il est l'Éternel des armées. Tel qu'il veut se révéler à l'Église, le Dieu puissant, le Dieu tout-puissant.
qui accomplit toujours sa parole, il ne parle pas en vain. Il ne parle pas en vain. Donc c'est d'abord important que tu t'approches du Seigneur. Sinon, autrement dit, si Jésus ne s'est pas révélé, tu ne peux pas t'approcher de Dieu. Ceux qui même ont reçu la révélation, Moïse et tous les autres qui ont marché dans le faisceau de Dieu, n'ont pas vu Dieu face à face. Donc il faut que Dieu lui-même soit venu vers toi pour se révéler à toi en tant que père, en tant que fils, ton frère, en tant que l'époux de l'Église, pour te donner accès à cette intimité qui seule déclenche la puissance de Dieu dans ta vie, dont parlait tout à l'heure pasteur Jocelyne. Parce que entre l'époux et l'épouse, il y a une fusion. Et c'est cette Église-là, en fait, qui fait la différence. C'est cette Église qui fait la différence. Et aujourd'hui, on voit bien que même les hommes de science, boum, c'est reparti le débat sur l'existence de Dieu. Donc on voit maintenant les scientifiques eux-mêmes qui commencent à débattre entre eux, commencent à dire, mais attendez, vos théories là ne tiennent pas, en fait, dire que Dieu n'existe pas, ça ne tient plus. Ça ne tient pas quand on contemple l'univers. Quand on voit toutes les perfections dont parlait l'apôtre Paul qui sautent à nos yeux, quand on peut penser que l'univers est là par hasard, ça ne tient pas en fait quand on prend toutes les découvertes scientifiques qui montrent la précision de l'univers et de son fonctionnement. Quand on découvre que l'univers a un début et une fin. Et s'il y a un début, c'est que ce début a été généré. Qui a réglé toutes ces choses pour que l'univers ait un commencement? Et pourquoi l'univers aussi, qui nous paraît aussi infini, va avoir une fin? Donc tout ça, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui préside à la destinée de l'univers. Donc le débat, il est lancé encore. Mais nous, on n'est plus dans ce débat. Nous, on n'est pas en train de se demander si Dieu existe. Nous, notre challenge, c'est comment marcher avec Dieu. Notre challenge, c'est la vie éternelle. On veut vivre avec lui. On veut être gens de sa maison. Donc, c'est ça notre challenge. Mais on bénit le Seigneur que le débat fasse encore rage, puisque du coup, beaucoup de croyants perdre la foi, apparemment, que maintenant 51% des Français se déclarent maintenant athées ou des choses comme ça. Donc il y a des gens qui perdent la foi. Et je dis que les gens perdent la foi, pourquoi? Parce que Satan travaille en fait. Satan travaille par des idéologies, par des théories, pour faire monter l'incrédulité et vouloir créer un monde complètement où les gens se détournent de Dieu. Ils travaillent à cela. Donc si Dieu permet que d'autres hommes de science viennent renverser les théories des autres pour pouvoir démontrer que vos affaires là ne tiennent pas, mais cela est utile. Cela est utile pour beaucoup de croyants, effectivement, qui peut-être vont se dire, ah bon, même les scientifiques qui disent que Dieu existe, bon, ça va peut-être t'aider à revenir vers ton Dieu. Mais une fois qu'eux, ils ont fait ça, le travail que Jésus nous a donné, dit « Allez et faites » de toutes les nations des disciples, c'est le travail de démontrer la puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu qui finit par convaincre que, mais oui, si Dieu n'existe pas, comment ces choses peuvent être possibles? C'est en cela que l'Église primitive a changé le monde. C'est bien de faire des discours, des théories, mais quand les faits sont là, quand les guérisons sont là, quand les délivrances sont là, ça c'est la part de l'Église, ça c'est la part du réveil spirituel. Ça c'est la part des héritages que nous venons d'entendre, l'héritage des sanctifiés que nous devons porter. Ça veut dire que ce que les saints ont fait avant nous, nous le faisons aussi. Pourquoi? Parce que nous nous alignons nous-mêmes dans cet héritage et dans la vocation qui va avec. Parce qu'il y a l'héritage dans lequel Dieu nous place et la vocation que nous poursuivons.
Et cette vocation est toujours celle d'éclairer notre génération. Cette vocation, c'est d'accomplir les promesses de Dieu pour tous ceux qui croient. Ceux qui croient aujourd'hui comme demain, nous devons leur conférer cet héritage. Et le Seigneur dit, mais si personne ne prêche, comment les gens pourraient croire? Voyez? Donc nous sommes dans la prédication de l'Évangile, c'est-à-dire une démonstration de la puissance de Dieu pour que notre génération puisse recevoir aussi l'héritage de Christ. Donc il faut se lever. Et il faut aussi ouvrir la bouche. Parce que si l'incrédulité avance, c'est à cause de ceux qui prêchent l'esprit du monde, en fait. Ceux qui prêchent toutes sortes de fausses religions pour vouloir éloigner les âmes de Christ qui seul a payé. Il n'y a que l'âme de Christ qui a obéi à Dieu jusqu'à la mort sans péché qui peut racheter les âmes des pécheurs. On ne peut pas racheter une âme qui a péché par une autre âme qui a péché. Donc il n'y a aucun prophète qui peut te sauver, aucun. Si ce n'est pas l'agneau de Dieu. Donc il faut que Christ revienne au cœur de l'Église, de l'adoration, de la louange, parce que c'est ainsi que la puissance éclate. Toi, tu connais Dieu et il t'est accessible. De la même manière que tu lis Christ dans la Bible, comment il était accessible à ses apôtres, c'est comme ça qu'il est accessible vis-à-vis de toi. Parce qu'il est vivant et qu'il a dit que le monde ne me verra pas, mais vous, vous me verrez parce que je suis en vous. De la même manière qu'il a dit qu'il envoie le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut pas recevoir parce qu'ils ne le connaissent pas. Mais vous, vous le recevez parce que vous le connaissez. En fait, vous connaissez l'Esprit parce que vous me connaissez. Parce que là aussi, c'est la même chose. Esprit, âme et corps. Dieu est un. Celui qui connaît le Père connaît le Fils. Celui qui connaît le Fils connaît l'Esprit. Il faut que cette vérité soit bien établie au milieu de toi. Sinon, toi aussi, tu es perdu, en fait. Les croyances ne vont pas te sauver. C'est la foi véritable en Jésus-Christ qui est venu te chercher de là où tu étais, comme il a dit aux enfants d'Israël, j'ai d'autres brebis qui sont d'une autre bergerie, il faut que j'aille les chercher aussi. Vous voyez, je vous ai pris des exemples, vous voyez qu'il y a des grands prophètes qui ont marché en Israël. Aucun n'a été missionné pour pouvoir sauver le monde. Parce que c'est l'œuvre de Christ, en fait. C'est l'œuvre de Christ. Et nous sommes au Seigneur, par la puissance de Jésus. Donc, la puissance de ton Dieu. La puissance de ton Dieu. Alors, une fois que nous sommes d'accord que nous connaissons Dieu qui nous parle, qui nous conduit, qui nous parle en prophétie, que nous louons, que nous chantons. Alors nous sommes bénis maintenant pour avancer. Parce que comme on le connaît, quand on connaît le Seigneur, on ne peut que le craindre. Pour sa puissance, le créateur de l'univers, c'est lui qui a créé l'univers. Et l'univers est réglé et tout tient, comme nous l'avons entendu, par la puissance du Seigneur. C'est pour ça que Jésus, quand il a parlé de la fin des temps, il dit « les puissances d'en haut seront ébranlées ». Effectivement, comme les hommes de science disent, que l'univers est réglé au millimètre près. Mais quand maintenant Dieu va ébranler tout ça, ça va être chaud. Les étoiles vont tomber, les choses vont tomber, parce que du coup, ben effectivement, tous ces réglages seront ébranlés par Dieu lui-même. Et les réglages ne peuvent pas se faire par hasard, en fait. Ce n'est pas par hasard que le soleil est à sa place, la lune, les étoiles, que les planètes suivent des trajectoires tracées. Il a fallu bien que quelqu'un fasse ces choses. Au lieu d'avoir foi dans le hasard, c'est en Dieu que tu dois avoir foi. Ah ben oui, tout ça aussi, c'est de la tromperie, tout ça. C'est de la tromperie. Et souvent, les gens, même ces gens-là qui voient ces choses, mais qui préfèrent tromper, souvent, ils ont des objectifs inavoués. Parce que quand vous voyez quelque chose est parfait,
Voilà, vous dites que c'est parfait, non? Si vous voyez comme quelqu'un disait que si vous voyez une toile bien qui a été peinte, bien là, c'est magnifique, vous cherchez qui l'a fait. Vous ne dites pas que, oh, c'est par hasard que cette toile a été faite, vous cherchez, ah, c'est Van Gogh ou je ne sais pas qui, et puis après, vous êtes prêt à aller mettre des millions dans ça. Et quand vous voyez ce qu'il y a, la perfection de la perfection, vous dites maintenant que c'est le hasard. Et quelle est la logique dans tout ça, en fait? C'est de la tromperie. Ah oui, oui, quelqu'un a compris. C'est de la tromperie. C'est de la tromperie. Bon, bien-aimé, donc, on avance avec notre Seigneur. La crainte de Dieu est fondamentale. Regardez ce qui est écrit, Malachie 2, je crois. Maintenant, à vous cet ordre, sacrificateur. Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées, j'enverrai parmi vous la malédiction et je maudirai vos bénédictions. Oui, je les maudirai, parce que vous ne l'avez pas à cœur. Voici, je détruirai vos semences et je vous jetterai les excréments au visage, les excréments des victimes que vous sacrifiez. Et on vous emportera avec eux. Vous saurez alors que je vous ai adressé cet ordre. Afin que mon alliance avec Lévi subsiste, dit l'Éternel des armées. Mon alliance avec lui était une alliance de vie et de paix. Ce que je lui accordais pour qu'il me craignît, et il a eu pour moi de la crainte. Il a tremblé devant mon nom. La loi de la vérité était dans sa bouche, et l'iniquité ne s'est point trouvée sur ses lèvres. Il a marché avec moi dans la paix et dans la droiture, et il a détourné du mal beaucoup d'hommes. Ici, effectivement, le Seigneur, oui, profère des menaces quand il voit que son peuple, malgré toute la bonté de Dieu, ne veut pas lui donner gloire, en fait. Et il nous prend ici en exemple Lévi. Bien sûr, le peuple continue à emmener des sacrifices. Il dit, mais si vous ne me donnez pas gloire, tous ces sacrifices-là, c'est vain. Et ça, tous ces sacrifices deviennent à charge. Si vous ne me donnez pas gloire, parce que si vous sacrifiez, c'est bien pour donner gloire à votre Dieu. Mais Dieu voit l'état de nos cœurs. Et le Seigneur veut dire ici, mais si vous continuez à jouer avec moi, je vais vous jeter à la figure les excréments des sacrifices que vous offrez et vous serez entraîné avec eux. Et donc, il prend en exemple Lévi. Quand on parle des Lévites, les adorateurs du Seigneur, les chantres, les musiciens du Seigneur, c'est la tribu de Lévi. Et Lévi, c'était quelqu'un qui craignait Dieu. Et cela honore le Seigneur. C'est ça, donner gloire à Dieu. Parce que tu dois considérer que ton Dieu n'est pas une idole. Ce n'est pas le Dieu du soleil, le Dieu du vent. C'est le Dieu de l'univers. Donc, il est digne de gloire. Et toi, tu es son représentant. Toi, tu es son héritier. Tu dois montrer à ta génération que ton Dieu n'est pas une idole. D'ailleurs, même ceux qui adorent les idoles sont là en train d'aller trembler devant des choses qui n'existent même pas. Et toi qui connais le Dieu créateur, le Dieu qui vit, tu vas manquer d'égard pour le Seigneur. Et le Seigneur dit, considérez mon alliance avec Lévi. Lévi a marché devant moi dans la paix et dans la droiture. Et il a craint mon nom, il a tremblé devant mon nom. Et par cette attitude, il a détourné beaucoup d'hommes du mal, en fait. Donc ça veut dire qu'il a été un vecteur pour sauver le peuple de Dieu. Nous comprenons au travers de ça que ce que Dieu recherche en chacun de nous, c'est d'abord la crainte quand tu t'approches de lui. C'est d'abord la crainte quand tu t'approches de lui.
Dernièrement, il n'y a pas longtemps, nous étions avec notre ami Denis McLaughlin, mon épouse et moi-même, en train d'échanger avec lui. Et il nous explique, puisque c'était pendant la période où la reine d'Angleterre est morte, et donc il nous explique en fait une expérience qu'il avait eue lui-même avec cette reine. Donc il s'est retrouvé à Londres, et s'est toujours intéressé un peu à la royauté, à ses traditions et à ces choses. Et quand il s'est retrouvé à Londres, il s'est retrouvé dans la possibilité d'être là où la reine allait passer. Bon. Comme pour lui, c'est important, il trouve que ces choses sont quelque chose effectivement d'admirable. Donc, il s'est retrouvé au moment où la reine allait passer. Donc, on l'a mis en position que la reine puisse passer là où, sur le chemin où il était. Lui, il a appris les révérences, toutes les choses, comment on doit se tenir devant la reine. Et donc, quand la reine est passée, il a pris une position pour pouvoir honorer la reine. Et pourtant, beaucoup de gens le font, mais là, la reine s'est arrêtée et a commencé à lui parler. Et donc, lui, il répond que oui, je m'intéresse à ces choses. Donc, il a parlé avec la reine. Et la reine était intéressée à parler avec lui. Donc, alors, il demande, est-ce que je peux parler? Parce qu'il faut demander si tu peux parler, si tu peux faire. Et le protocole, donc, il était étonné de voir, en fait, pourquoi, comment la reine s'était intéressée à cette personne. Pendant qu'il dit, mais est-ce que je peux dire quelque chose à la reine? Le protocole autour de la reine. Mais lui, il était venu là pour pouvoir saisir son opportunité. Donc, il a parlé avec la reine, Et puis après, la reine est partie. Lui, il a gardé la position. Donc, la reine est partie, a fait quelques pas et la reine a regardé encore en arrière. Il voit qu'il était toujours dans la position. Et la reine revient pour lui dire, mais tu restes toujours dans la position? Donc, c'est-à-dire que si maintenant... je prends cet exemple, c'est pour que vous compreniez que la reine, effectivement, en tant que reine, elle sait le protocole qui lui est dû. Elle sait ce que dit la Constitution. Voilà. Et donc, du coup, elle a été marquée par l'attitude de cette personne parce qu'elle trouve que cette attitude correspond, en fait, avec la liberté que la reine peut avoir de pouvoir parler avec lui, même de prendre plaisir. Vous voyez? Je vous dis ça pour que vous compreniez que la crainte libère l'autorité. Voilà. La crainte, en fait, rend à l'aise l'autorité, parce que si l'autorité voit un manque de crainte, l'autorité va aussitôt s'appuyer sur son autorité pour imposer, en fait, la discipline ou le protocole. Et je l'ai souvent dit aussi que les parents aussi souvent reflètent cette nécessité de la crainte. Quand les parents voient que l'enfant est désinvolte, on le tient à distance. Les parents ne se mettent pas à l'aise en quelque sorte, c'est-à-dire, bon voilà, mon fils, tout ça, parce qu'ils savent que l'enfant pourrait profiter pour manquer de respect. Donc on le tient au respect en quelque sorte. Mais quand l'enfant lui-même a la crainte, les parents sont plus à l'aise. Donc il faut comprendre que quand nous craignons Dieu, cela crée en fait un espace propice à l'intimité avec Dieu. C'est-à-dire que Dieu, comme si Dieu se dévoile encore plus à nous, comme la reine a eu à cœur de créer quelque chose avec cet homme qui lui avait manifesté autant de distinctions. Vous voyez? Et quand le Seigneur parle ici de Lévi, il nous montre que Lévi était comme un ami pour lui. Et si Lévi a pu détourner beaucoup d'hommes du mal pour les emmener vers Dieu, c'est qu'il disposait d'une grande onction sur lui. L'onction du Seigneur qui lui a donné. Si toi aussi, tu comprends que je dois craindre le Seigneur
Parce que ça, c'est une résolution que tu prends, que je dois craindre le Seigneur, dans mes pensées, dans mes actions. Tu donnes à Dieu l'opportunité de s'approcher davantage de toi. Je prends encore un autre exemple dans la Bible, c'est Jésus, le Seigneur Jésus avec Marthe, Marie et Lazare. Le Seigneur a délivré Marie de sept démons. Et Marie, c'est cette femme qui est venue oindre le Seigneur. Et donc, cette famille, ils sont devenus les amis du Seigneur. Souvenez-vous l'épisode où Jésus arrive, Marthe commence à faire à manger et Marie est assise en train d'écouter le Seigneur. Le Seigneur dit, mais Marthe dit, mais Seigneur, regarde ma sœur, elle ne vient pas m'aider. Elle est là assise à t'écouter. Est-ce que tu ne vois pas qu'elle devait venir m'aider? Le Seigneur dit, ah Marie, et Marthe, tu t'affaires, mais elle a choisi la bonne part. Écoutez ma parole. Ce que vous devez remarquer, c'est le côté de l'amitié qu'il y avait entre le Seigneur et cette famille, en fait. Mais cette famille craignait le Seigneur. Ils ne se sont pas dit, oh, bon, c'est notre ami, comme ça devient notre camarade. Non. Ils craignaient le Seigneur et le Seigneur aimait aller chez eux. Le Seigneur aimait aller chez eux. Jésus était invité par beaucoup de gens, même des gens riches, des gens dont il connaissait le cœur, mais il partait pour aller annoncer la parole. Et ce n'était pas facile, le climat qu'il pouvait avoir. Bon, aussi les prophètes, comment il peut se laisser toucher par une telle femme. Donc, il connaissait leurs pensées. Mais quand il venait chez Marthe, Marie et Lazare, il pouvait se reposer parce qu'il était au milieu des gens qui le craignaient et des gens qui l'aimaient. Donc, on voit bien, entre l'amour et la crainte, et la connaissance et la crainte, cela est lié. Donc, le Seigneur était à l'aise avec eux. Il faut que Dieu soit à l'aise avec toi, parce que tu le crains. Il ne faut pas que tu sois seulement la personne qui vient là, tu penses que je fais des sacrifices, et puis Dieu voit. Alors, je paye ma dîme, je fais ceci, je fais mes prières, je fais mes jeûnes, bon, voilà. Non, non. Tu dois chercher une relation intime avec le Seigneur puisqu'il est l'époux de l'Église. Donc, il est ton époux, en fait. Donc, il veut communier avec toi. Et la seule chose qui le permet, c'est la crainte de Dieu. C'est la crainte. Il n'y a que la crainte qui permet ça. Et nous savons comment Pierre craignait le Seigneur. Nous savons comment Jean craignait le Seigneur. Et c'était des personnes qui étaient très intimes au Seigneur. C'est la crainte qui protège l'intimité. C'est la crainte qui protège l'intimité. Autrement dit que là où il y a une intimité sans la crainte, ben, les choses seront foulées en fait. Les choses seront foulées. Il n'y aura pas de respect, il n'y aura pas un désir de protéger un tel privilège. On va au contraire en abuser en fait, c'est-à-dire en faire un usage vil. Mais quand on craint le Seigneur parce qu'on sait qu'il est le Seigneur, parce qu'on sait qu'il est bon, parce qu'on sait combien on veut être avec lui, et donc on veille à notre attitude. Vous avez aussi dans la Bible l'histoire des enfants de Noé. Noé, après avoir bu, s'est retrouvé dans une position inconfortable et qu'un de ses enfants n'a pas craint que c'est son père de le voir dénudé et qu'un autre, au contraire, n'a pas voulu regarder à cela pour protéger l'intimité de son père. Ça, c'est de la crainte, en fait. Ça, c'est de la crainte. Donc, aujourd'hui, le Seigneur veut que tu sois comme Lévi, craignant Dieu, lui donnant la révérence. On ne s'approche pas de Dieu d'une façon cavalière. Souvenez-vous, dans Ésaïe 1, le Seigneur dit, quand vous venez dans mes parvis, qui vous dit de fouler mes parvis? Quand vous vous approchez de moi, qui vous dit de fouler mes parvis? C'est-à-dire l'attitude avec laquelle nous venons vers le Seigneur, l'attitude avec laquelle nous nous rassemblons, où chacun se sent libre, non pas de manifester de la crainte,
mais de manifester en fait son moi, son ressenti. C'est de la désinvolture devant Dieu en fait. C'est de la désinvolture devant Dieu. Parce que quand vous êtes devant Dieu, ce qui doit vous animer, c'est la crainte de Dieu. Parce que c'est ce qui crée le cadre propice à l'adoration. Chacun doit craindre Dieu. Chacun doit craindre Dieu bien-aimé. Et c'est très important pour nous de comprendre ça, parce que ça va changer totalement la donne, non seulement dans notre relation avec Dieu, mais même dans notre relation les uns les autres. Dieu est Dieu de justice, et la crainte implique aussi que nous puissions comprendre le principe de la justice. Dans Lévitique 19, versets 14 et 15, nous dit: tu ne maudiras point un sourd, et tu ne mettras devant un aveugle rien qui puisse le faire tomber. Car tu auras la crainte de ton Dieu. Je suis l'Éternel. Tu ne commettras point d'iniquité dans tes jugements. Tu n'auras point égard à la personne du pauvre, et tu ne favoriseras point la personne du grand. Mais tu jugeras ton prochain selon la justice. Voyez les bénéfices maintenant, c'est que quand on craint Dieu, on rentre aussitôt dans la justice, parce que l'attitude que tu vas avoir devant Dieu implique l'attitude que tu as vis-à-vis des gens, vis-à-vis des choses. Regardez les choses dont le Seigneur parle ici. Donc effectivement, les lois ont été données à Moïse pour le peuple de Dieu. Et ces lois sont la base des lois du droit dans le monde entier. C'est ces lois-là. Mais ici, rentrons dans l'enseignement de la loi. Ce qui importe, c'est l'enseignement de la loi. Quand le Seigneur dit « tu ne maudiras point le sourd », ça veut dire quoi? Ça veut dire Dieu voit comment notre attitude, même en tant que peuple de Dieu, peut être mais vraiment désinvolte. L'aspect de la fourberie, c'est qu'en fait, tu sais que la personne qui est en face de toi n'entend pas ce que tu vas dire. Et là, tu profites pour l'insulter. Parce que pour toi, tu te dis, il n'y a pas de risque, puisque lui n'entend pas. Mais tu oublies qu'il y en a un qui entend. Et Dieu peut te rappeler que le Dieu qui t'a créé, toi, avec tes oreilles qui entendent, c'est le même qui a créé celui qui a des oreilles qui n'entend pas. Donc, tu ne peux pas dire que tu crains Dieu et que tu ne crains pas de faire quelque chose qui va déplaire au Seigneur. Parce que dans la justice de Dieu, cette personne qui est handicapée des oreilles, puisque Dieu te dit « aime ton prochain comme toi-même », Dieu veut que tes oreilles soient ses oreilles. Donc, tu ne peux pas te moquer de lui. De la même manière que Dieu ne nous a pas abandonnés pour dire « débrouillez-vous » et qu'il vient à notre secours jusqu'à donner sa propre vie pour nous sauver. Toi, au lieu de sauver ton prochain, tu veux te moquer de lui? C'est l'œuvre du diable. C'est l'œuvre du diable, en fait. Dieu voit ces choses au milieu de son propre peuple, sinon pourquoi il donne des lois comme ça? Il dit « tu ne mettras pas quelque chose devant un aveugle ». Mais nous tous, nous savons en grandissant que, à cause de l'esprit perfide du diable, la moquerie, on sait que ces choses, même aujourd'hui, les jeunes, les ados, pour rigoler, voilà, la personne est là, tu viens mettre quelque chose, la personne te... C'est l'esprit du monde. Et tout ça, Dieu veut nous faire comprendre que donner gloire à Dieu, être le peuple de Dieu, être des héritiers de Dieu sur la terre, c'est d'éclairer le monde, parce qu'au travers de toutes ces choses mauvaises que le diable emmène dans la culture humaine,
Il travaille à vouloir éloigner la gloire de Dieu pour dire, ben, attendez, regardez ce peuple-là, ils ne te ressemblent même pas, ils n'ont même pas de toi la crainte, regarde toutes les choses que j'arrive à faire. Donc la crainte de Dieu implique que tu veilles à ce que la justice soit. Et nous voyons au travers de ça combien le Seigneur, en fait, nous aime, en fait, les uns les autres. Combien le Seigneur ne méprise pas quelqu'un parce que tu as un handicap. Au contraire, le principe même de l'équité, l'équité veut qu'au contraire, tout soit fait pour pallier à l'handicap. C'est ça la solidarité, c'est ça l'équité. Et cet héritage dont parlait pasteur Jocelyne, c'est tout ça en fait. Nous devons porter cet héritage de la gloire de Dieu. Et il faut revenir maintenant à enseigner à nos enfants ces choses, parce qu'autrefois, il y avait ce type d'enseignement pour respecter l'ancien, pour respecter le faible, mais aujourd'hui là, aujourd'hui, en fait, on voit avec tout ce qui se passe aujourd'hui, l'effervescence, même les réseaux sociaux où tout passe, on partage tout ce qui se passe, et bien cette culture-là, elle rentre, on veut rire de tout, on veut se moquer de tout. Toutes ces choses, il faut aujourd'hui, en tant que peuple de Dieu, enseigner à tes enfants la crainte de Dieu. Et que cette crainte de Dieu, ce n'est pas seulement quand on vient à l'assemblée, c'est qu'au quotidien, Dieu voit. Et que tu dois respecter les personnes. Tu dois respecter le vieillard. Tu dois respecter l'handicapé. Parce que son Dieu voit. Et si Dieu réprimande sévèrement celui qui se rend coupable de telles attitudes, il récompense vivement ceux qui, au contraire, soutiennent et font du bien. Tout ça, bien-aimés, voyez, c'est le bénéfice de la crainte de Dieu. Un autre point qui implique la crainte de Dieu, c'est que la crainte est due à notre Dieu et à lui seul. Parce qu'il n'y a pas d'autre Dieu. Et que cette crainte, c'est la clé de la vraie adoration. Regardez dans Jérémie 10, à partir du verset 1. « Écoutez la parole que l'Éternel vous adresse, maison d'Israël. Ainsi parle l'Éternel, n'imitez pas les voix des nations et ne craignez pas les signes du ciel, parce que les nations les craignent. Car les coutumes des peuples ne sont que vanité. On coupe du bois dans la forêt, la main de l'ouvrier le travaille avec la hache. On l'embellit avec de l'argent et de l'or, on le fixe avec des clous et des marteaux pour qu'il ne branle pas. Ces dieux sont comme une colonne massive et ils ne parlent point. On les porte parce qu'ils ne peuvent marcher. Ne les craignez pas, car ils ne sauraient faire aucun mal et ils sont incapables de faire le bien. Nul n'est semblable à toi, ô Éternel. Tu es grand, ton nom est grand par ta puissance. Qui ne te craindrait, roi des nations? C'est à toi que la crainte est due, car parmi tous les sages des nations et dans tout leur royaume, nul n'est semblable à toi. La crainte que tu vas donner à ton Dieu, il faut d'abord que tu sois délivré de toutes sortes de craintes que l'ennemi est venu mettre au milieu de toi, de craindre des choses vaines. Si tu crois que Dieu est Dieu, c'est-à-dire le Dieu des Hébreux qu'ils ont révélé au monde et qui a envoyé son Fils pour venir nous adopter et faire de nous les enfants de Dieu, si tu crois que ce Dieu est Dieu, tu ne peux pas craindre d'autres dieux. Tu es obligé de savoir que le reste, là, sont des manigances de Satan et l'ignorance des hommes. Ce sont des dieux qui ont une bouche, mais qui ne peuvent parler. Ils ont des mains, mais ils ne peuvent faire aucune œuvre. Donc, tu ne peux pas craindre ces choses et puis se dire, bon,
Je crains ça, je crains ça, et puis il me reste un peu de crainte pour adresser à Dieu. Non. La crainte, c'est la clé de l'adoration. Vous voyez, la crainte va de pair avec l'adoration. Donc, ce qui veut dire que la vraie adoration s'appuie sur la crainte de Dieu. Parce que si tu l'adores, ça veut dire que tu le connais et donc tu le crains. Donc, du coup, tu ne peux pas craindre n'importe quoi, en fait. Il faut déjà se délivrer des peurs, de toutes sortes de choses qui nous brident. Toi-même, tu sais, peut-être même dans ta famille, il y a des faux dieux, il y a des idoles, il y a des totems. Mais toi qui connais le vrai Dieu, tu n'es pas plus affranchi de ces choses que ta propre famille qui craint ces choses. Parce que tu te dis, on ne sait jamais tout ça, c'est de la sorcellerie, peut-être qu'il y aura ceci, des statues bizarres, tu commences toi-même aussi à trembler. Mais je dis, ne craignez pas ces choses, parce qu'ils ne sauraient faire aucune œuvre, ni en bien ni en mal. Bien sûr, ces adorations macabres, ces sacrifices créent un fief pour les démons. Oui, on sait que les démons existent. Ils peuvent avoir des manigances, des agissements qui effraient les gens. Mais ce n'est pas des dieux. Et d'ailleurs, ce que la crainte de Dieu te donne, c'est l'autorité sur ces choses. Quand Jésus dit « chassez les démons », il dit « je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi ». Ça veut dire les serpents, les scorpions, c'est quoi? Je vous l'ai déjà dit, ce sont des esprits humains, ce sont des impies, ce sont des gens qui utilisent tous les moyens possibles pour vouloir opprimer, dominer, soumettre et faire du mal à leurs prochains au lieu de les aimer. Donc il y a le mal sur la terre. Mais dans toute la puissance de l'ennemi, il y a toutes les manigances, tout ce que les démons peuvent faire, toutes ces choses. C'est là, en fait. Mais ces choses, quand tu connais le Seigneur, sont sous tes pieds. Toi, tu marches, rien ne pourra t'arrêter. Et si vous craignez ces choses, vous annulez aussitôt votre propre adoration vis-à-vis de Dieu, puisque vous pensez que, à côté de votre Dieu, il y a une autre autorité qui peut agir ou faire du mal. Donc, ça veut dire que vous avez limité le pouvoir de Dieu et ce n'est plus Dieu. Ce n'est plus Dieu, en fait. Ce n'est plus Dieu puisqu'il n'est plus le Tout-Puissant à tes yeux. Donc, ce n'est plus Dieu. Voilà. Tu viens de créer un Dieu à ton image et à ta ressemblance, au lieu d'être toi-même l'image et la ressemblance de Dieu. Vous n'avez pas vu que Jésus a craint un démon ou même les impies. Quand même l'heure est venue de la crucifixion, il a dit « l'heure des ténèbres est venue ». Voilà. Et il s'est livré, en fait. Il dit, je suis venu pour ce baptême. C'est l'heure des ténèbres. Voilà. C'est l'heure des ténèbres. Donc, il n'a pas dit, ah, c'est compliqué. Donc, quand il s'est retrouvé devant Pilate et que les sacrificateurs, les souverains sacrificateurs étaient en train de le charger, de l'accuser, il est ceci, il veut faire telle chose, il est conspirateur et tout ça. Pilate, qui savait, en fait, que tout ça, c'était que des manigances, voulait entendre une réponse de Jésus. Il voulait que Jésus aussi dise, non, c'est pas ceci, c'est eux telle chose. Et Pilate était étonné qu'il ne répondait même pas. Pilate dit, mais n'entends-tu pas de toutes les accusations dont il te charge? Tu ne réponds pas? Tu ne sais pas que je peux te délivrer? Jésus dit, mais tu n'as pas le pouvoir. Il dit, tu n'as pas ce pouvoir. Tu n'as pas ce pouvoir sur moi. Tu ne peux pas me délivrer. Pourquoi? Mais parce que, je sais, Dieu l'a décidé ainsi, et ainsi ça sera. Voilà. Donc Jésus n'a pas craint ses ennemis. Il n'a pas craint ce déferlement de puissance des ténèbres pour lui faire souffrir toutes les choses qu'il a souffert. Il n'a pas dit, Satan, ceci, cela et tout. Non, il a dit, Père. Il a parlé à son Père parce qu'il sait que tout est soumis à la volonté de Dieu. Si je suis éprouvé, c'est la volonté de Dieu parce que ce n'est pas un pécheur pour dire que je suis allé souffrir des choses à cause de mes péchés. Oui, peut-être que toi, tu vas souffrir des choses qui sont les conséquences de tes péchés. Ou alors que tu es éprouvé
Parce que c'est ton chemin, comme Joseph a été éprouvé, ce n'est pas parce qu'il a été coupable, mais il a été éprouvé. Toi aussi, souvent tu es éprouvé alors que tu n'es pas coupable. Donc tu sais que c'est l'épreuve que Dieu permet. Et si le chemin de Joseph d'épreuve lui a mené jusqu'à sur le trône, les épreuves que ton Dieu te donne aussi t'emmèneront toi-même d'être la tête et non la queue. Te placeront en haut et non en bas. Mais il ne faut pas qu'on soit dans la crainte, dans la peur des choses. Ça limite ton esprit, ça ne te permet même pas d'adorer véritablement. Il faut se libérer en fait. Il faut se libérer dans la vraie connaissance de Dieu pour adresser la crainte au Seigneur. Ça veut dire que si je ne fais pas telle chose alors que j'ai envie, c'est par crainte pour le Seigneur que je ne le fais pas en fait. C'est par crainte. Et si Dieu voit maintenant que même certains qui adorent des idoles s'abstiennent des choses sous prétexte que son idole va peut-être le frapper, toi qui connais le Seigneur, tu ne vas pas t'abstenir des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu? Parce que tu veux marcher dans la crainte de Dieu, qui t'est favorable, que Dieu puisse te conduire dans ses voies, que tu sois héritier de sa maison. Non, tu vas avoir de la crainte de Dieu et tu vas enseigner la crainte du Seigneur à tes propres enfants et à ceux qui t'entourent. Quand tu reprends tes enfants, les enfants doivent comprendre pourquoi tu les reprends. Et voici une réponse qui est valable de leur dire. Ce que tu as fait n'est pas conforme à la crainte de Dieu. Parce que nous, nous sommes une famille qui appartient au Seigneur et nous craignons le Seigneur. Nous craignons de lui désobéir. Nous le faisons au contraire ce qui lui est agréable, selon qu'il est dit, fais de l'Éternel tes délices et il accomplira tous tes désirs. Bien sûr, nous connaissons ce que sont les enfants. Il ne manquera pas de te rappeler, hey, mais maman, là ce que tu fais là, ce n'est pas la crainte de Dieu. Mais papa, tu es loin de la crainte de Dieu là. Ce qui sera une bonne remarque. Donc nous ne sommes pas là pour craindre les statues. Nous sommes là pour craindre le Seigneur. Bien-aimés, pour que nous puissions conclure ce message, aujourd'hui nous voulons voir en fait l'œuvre quotidienne de la crainte de Dieu. C'est ce que nous avons commencé à voir. Dans Éphésiens 5, à partir du verset 18, il est dit, « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. » Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le Sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier par la parole après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Nous savons combien il nous est difficile de nous soumettre les uns les autres, ce qui est le signe du manque de crainte de Dieu. Ici, le Seigneur veut dire, au lieu d'essayer de vous débattre pour voir est-ce que je dois me soumettre, est-ce qu'il est tout ça, non, venons tous à la crainte de Dieu. Venons tous à la crainte de Dieu. Et nous verrons que quotidiennement, notre cœur est apte à faire ce que Dieu dit.
nous allons tous reconnaître que Dieu est Dieu et c'est lui qui nous a créés. Et puisque c'est lui qui nous a créés, il est l'admirable conseiller et que ses conseils, c'est ce qu'il faut mettre en pratique. Et que si maintenant nous tous, nous avons le même Dieu à qui nous obéissons, nous n'allons pas avoir autant de problèmes au milieu de nous pour contester avec des choses qui ne sont pas ni l'invention de l'homme ou de la femme, mais qui est tout simplement le plan de Dieu. Tout à l'heure, on a dit que même les hommes de science reconnaissent aujourd'hui que la perfection de l'univers implique forcément un ordonnancement parfait. Donc, ce n'est pas le hasard. Bon, si Dieu a réglé ainsi l'univers, et que l'univers tient, que l'univers fonctionne, comme d'ailleurs Dieu te demande, est-ce que tu sais où sont les colonnes de la terre? Tu ne le sais pas, mais Dieu le sait. Donc, si Dieu a réussi ces choses, comment nous allons maintenant nous dire que Dieu a raté une chose, c'est qu'il nous a mal coordonnés les uns avec les autres? Vous voyez? Là, si on dit, c'est aussi une tromperie. Parce que si tu reconnais qu'effectivement, comme Dieu dit, que c'est lui qui a réglé les constances de l'univers, donc tu es aussi obligé de reconnaître que sa parole règle aussi à merveille la relation humaine. Et que si nous obéissons à Dieu, si nous le craignons, effectivement les choses vont fonctionner. Et sans la crainte de Dieu, tu ne pourras pas, parce que du coup, tu auras toujours des problèmes. Et oui, mais ceci, les maris, les femmes, c'est la zizanie au quotidien. Tout ça parce qu'il manque la crainte de Dieu. Et même si tu es de bonne volonté, tu dis, bon, on va régler les problèmes. Mais quand la crainte manque, l'ennemi va toujours passer pour te dire, mais non, regarde. Il va danser, en fait, dans ton subconscient, dans ton inconscient, pour mettre la zizanie, parce que la gloire de Dieu n'est pas là, en fait. Parce que quand maintenant nous laissons la gloire de Dieu nous habiter et que nous écoutons maintenant la parole de Dieu d'une façon sainte et saine, regarde, que dit Dieu? Il dit « Soumettez-vous les uns les autres ». C'est déjà un principe majeur. Si maintenant le Seigneur dit « Femmes, soumettez-vous à vos maris », qu'est-ce qu'il y a d'anormal par rapport à ce que Dieu vient de dire, soumettez-vous les uns les autres? Donc avant de rouspéter, il faut d'abord comprendre la parole de Dieu. Dieu a dit, soumettez-vous les uns les autres. Est-ce qu'il a dit que les uns se soumettent à d'autres? Il a dit, soumettez-vous les uns les autres. Et il commence à énoncer en quoi consiste cette soumission. Cette soumission consiste du fait que nous sommes le peuple de Dieu, un peuple qui doit marcher dans l'ordre, qui doit marcher dans la responsabilité que Dieu lui a donnée pour éclairer sa génération. Donc Dieu, qu'est-ce qu'il veut? C'est que quand un homme quitte son père et sa mère et s'attache à sa femme, il est chef. La preuve, c'est lui qui fait d'ailleurs la démarche. C'est lui qui fonde cette famille. Dieu demande à la femme de ne pas avoir l'attitude, de ne pas reconnaître sa position ni son autorité. Pour commencer, la bagarre. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'anormal dans ça? Est-ce que Dieu dit à l'homme de ne pas se soumettre? D'ailleurs, puisque Dieu dit à la femme de se soumettre, Dieu n'a pas dit à l'homme de soumettre à sa femme. Donc, ce n'est pas question de brutalité. C'est question de connaissance et de responsabilité. C'est-à-dire que l'homme est le chef, comme Christ est le chef de l'Église. Donc, du coup, l'important, c'est de voir quel est le bénéfice de tout ça. Mais le bénéfice, c'est que Christ étant le chef de l'Église, il porte le challenge, le sacrifice qui sauve l'Église. Il se positionne vis-à-vis de son Père pour le salut de l'Église. Est-ce que ce n'est pas ce que toutes les femmes désirent? Un homme responsable, un homme HR, qui se garantit d'être le chef qui marche devant, qui trouve des solutions. Vous voyez? Où est-ce que vous avez vu que Christ brutalise l'Église? Vous voyez? Donc il faut quand même reconnaître que Dieu est parfait dans ce qu'il fait. C'est toi qui t'es levé. Tu as vu une femme, tu dis, voilà, je veux t'épouser. Tu en as la responsabilité. Et cette responsabilité doit demeurer. Parce que maintenant, si toi, la femme, tu dis, oh, moi, je suis potomitant, moi, je n'accepte pas ces histoires, c'est moi qui domine. Dans deux matins, tu seras la première à te plaindre que maintenant, le gars, il est là, il ne fout rien, il est irresponsable. Laisse-le être responsable. Ma sœur,
Répète à ton mari, c'est toi le chef. Répète. C'est toi le chef. Il faut le pousser à être chef. C'est à ton avantage. Hein? Parce qu'on sait comment l'homme peut faire naufrage dans l'irresponsabilité. Si ce n'est pas à toi d'aider à l'ennemi de rendre ton homme irresponsable. Toi, au contraire, dis-lui que comme ton Dieu a dit, tu es le chef. Mais chérie, là, tu parles comme quelqu'un qui n'est pas un chef. Mais là, chérie, tu me fais du mal alors que tu es mon chef pour me défendre. Il y a le bénéfice d'avoir un chef. Voilà. Parfois, on conteste avec des choses qui sont à notre avantage. Voilà. Maintenant, si les sœurs disent que non, nous, on n'avait pas besoin de mari chef, on arrête le HR alors. On arrête l'homme responsable. Mais je peux vous dire que dès qu'on était en Afrique du Sud, il y avait une femme, une pasteur qui dit, mais quand mon épouse l'a expliqué ce qu'on fait avec l'homme responsable, elle dit, mais pasteur David, on a besoin de vous ici. On a besoin que les hommes soient enseignés. C'est catastrophique. C'est catastrophique. Les enfants grandissent comme ça, sont repères, sont des pères. C'est la zizanie totale. Les ados font des choses terribles. Faute de père, faute des hommes responsables pour être le chef de famille, protéger la femme, les enfants. C'est ce que Dieu demande à l'homme. Et contrairement à ce que vous pensez, c'est déjà une soumission de l'homme vis-à-vis de ses devoirs, vis-à-vis de la femme en fait. C'est déjà une soumission en fait. Quand Jésus était là au milieu de son peuple, qu'il souffrait toutes ces choses, mais il dit lui-même, il s'est abaissé. C'est-à-dire qu'il s'est soumis lui-même pour aller sauver des gens qui n'y a que lui qui voyait notre valeur en fait. Vous voyez? Quand vous n'avez pas vous-même un degré de soumission, déjà vous êtes un mauvais chef. Vous ne pouvez pas être un bon chef parce que Dieu n'a pas appelé des mauvais chefs, des mauvais, mais des bons. C'est-à-dire que le bon, c'est qu'il connaît c'est quoi la soumission. Parce qu'il se soumet lui-même à une discipline, il se soumet à des devoirs en fait. Il y a des devoirs. Donc, l'homme qui est responsable, c'est celui qui sait se soumettre. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même lui donne ce qu'il faut faire pour être un chef. Le chef, c'est celui qui prend un peuple d'un point à un autre. C'est celui qui garantit l'épanouissement. C'est celui qui fait toutes ces choses. Donc, où est-ce que vous avez vu maintenant que là, cette parole veut dire que l'homme, il fait le gros dos et puis la femme se soumet en train de souffrir? Ça n'a rien à voir avec la souffrance. Ça a à voir avec la complémentarité, l'ordonnancement et surtout les choses à enseigner de génération en génération. C'est des choses à enseigner en fait. Ça a à voir avec l'harmonie dans la responsabilité vis-à-vis de Dieu. Le principe de soumission nous implique tous. Parce que du coup, si on accepte une parole, c'est qu'on se soumet tous à Dieu déjà. Déjà nous tous, on se soumet à Dieu. D'ailleurs, comme dit la parole, nous sommes les esclaves du Seigneur. Il nous a achetés pour la liberté, mais il reste le maître. Donc, on se soumet. Donc, personne n'a de problème avec la soumission. Quand tu sais te soumettre, tu sauras comprendre pourquoi Dieu dit à ta femme de se soumettre et qu'elle prend volontairement, à cause de cet enseignement, une attitude de ne pas vouloir se dire « c'est moi qui suis devant, c'est moi telle chose ». Non, elle est là, on va fonctionner. Toi, tu es l'homme, moi, je suis la femme. On va faire tout ce que Dieu nous demande pour le bien de notre maison. Chacun va jouer son rôle, il y aura une complémentarité parfaite. Et je sais, en tant que pasteur, que toute femme a besoin de la protection d'un homme, même si elle ne le sait pas. Et quand maintenant le Seigneur dit « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église ». Pourquoi il ne s'arrête pas « aimez vos femmes comme vous pouvez, comme vous… » Comme Christ. C'est-à-dire qu'il s'est soumis lui-même. Il a souffert lui-même pour l'Église. Donc, Dieu aussi te dit de te soumettre toi aussi à tout ce qui est nécessaire à l'épanouissement de ta maison. Parce que sinon, tout homme pourrait dire, vous vous soumettez, vous faites ce que je fais et puis moi je fais ce que je veux. Non, toi aussi tu dois te soumettre en aimant ta femme comme Christ a aimé l'Église, c'est-à-dire prendre toi-même la part de sacrifice nécessaire au salut et à l'épanouissement de la femme. C'est de la soumission en fait. On se soumet à une règle, on se soumet à une éducation. On se soumet dans l'Église. Déjà de cette soumission doit découler déjà la fidélité. Vous voyez? Tout le monde doit se soumettre.
Tout le monde doit se soumettre. Et les enfants doivent être enseignés à la soumission dès leur bas âge pour apprendre à respecter les autorités, aussi bien à la maison qu'à l'école que dans la cité. Et donc le monde est en ébullition forte de soumission. Personne ne veut se soumettre à quoi que ce soit, ni à aucune loi. Et donc du coup, voilà, c'est un monde où il est interdit d'interdire. Voilà, c'est chacun selon ce que je ressens. Or le Seigneur dit que ce n'est pas à la sagesse que l'insensé prend plaisir, mais c'est à la manifestation de ses désirs. Chacun veut manifester ses désirs. Et chaque jour, on est en train de créer un monde délirant. Et c'est ce que Satan veut, en fait. Le désordre, ça profite à Satan. Parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Il sait pourquoi il a créé un tel, il sait à quelle place il a placé. Même dans l'Église, Dieu place les autorités. Ce n'est pas comme si les autorités sont placées pour se pavaner. L'autorité, c'est que tu as des responsabilités à répondre. Le peuple de Dieu n'avance pas tout seul. Il faut des responsabilités, il faut des gens qui répondent, il faut des gens qui se sacrifient pour qu'on arrive tous dans l'accomplissement des promesses de Dieu. Donc, bien-aimés, voyez, la crainte de Dieu que vous allez recevoir en vous va vous permettre d'obéir que, Seigneur, si tu l'as dit, c'est que c'est vrai. Et puis, c'est que c'est bien. Parce que c'est pour mon bien que tu l'as fait ainsi. Satan veut au contraire que nous soyons en confrontation les uns avec les autres. Que nous soyons toujours dans créer un tumulte dans la société. Et c'est comme ça que lui et ses démons peuvent se donner à cœur joie. La soumission, c'est un principe de l'adoration, de la connaissance de Dieu. Ce n'est pas une lâcheté ni une aberration. C'est, au contraire, c'est l'autorité parce que c'est la discipline, c'est la puissance en fait. Là où il y a la puissance, il y a l'ordre, il y a la discipline. Mais là où il y a le désordre, il y a le chaos. Il y a les chaos et les âmes qui se perdent, les gens qui périssent au milieu de ce chaos parce que la guerre fait rage dans les foyers, dans les maisons. Et là où on veut voir la gloire de Dieu dans l'Église, il y a tellement de choses qui se manifestent. Non, bien-aimés, il est temps que nous puissions marcher sous la bannière. Une vraie armée est disciplinée. Quand même quelqu'un, tu es un soldat, tu es content d'avoir des généraux, des commandants, des capitaines, parce que c'est ça l'armée. L'Église, c'est la même chose. Dieu a établi des autorités qui doivent jouer leur rôle pour ouvrir le chemin de l'Église. Et la maison de Dieu implique nos propres maisons. Si nous craignons Dieu ici, nous devons le craindre dans nos maisons aussi. Nous devons mettre de l'ordre, créer des conditions pour que votre maison, vos enfants soient sous la bannière de Christ. Bien-aimés, la crainte de Dieu, c'est ce que nous avons en partage. Et comme a su le montrer ici Pasteur Justine, quand on reçoit des héritages, on pense que seulement à l'argent, on a reçu de l'argent. Mais on reçoit des valeurs. On reçoit la connaissance de Dieu. On reçoit l'amour de Dieu. On reçoit la crainte de Dieu. Tout cela, ce sont des bénédictions irremplaçables. Ce sont des bénédictions irremplaçables. Et si nous mettons en exergue ces choses, notre génération va être éclairée. Parce que beaucoup de gens qui sont dehors sont de bonne volonté et voudraient connaître quel est le chemin à suivre. Hier, on était en train d'échanger avec les serviteurs. C'est le pasteur Hervé Ganin qui disait, il s'est retrouvé dans son travail devant un chef d'entreprise désemparé qui disait, voici, je ne sais plus quoi faire, on me dit ceci, les autres me disent, alors toi, est-ce que tu sais ce quoi faire? Ah, là, il est obligé de sentir quand le Seigneur dit, vous êtes la lumière du monde. Vous devez comprendre que tous les jours, il faut être prêt à enseigner la gloire de Dieu. Il faut être prêt à dire une parole qui est une parole ointe, une parole de sagesse. Il faut être prêt en fait. Nous devons être prêts pour notre génération. Notre génération ne doit pas périr. Il faut prendre conscience que la provision de la puissance de Dieu est disponible. C'est à nous de nous ranger. Il faut craindre le Seigneur. Il faut arrêter de marcher n'importe comment. Parce que quand vous marchez n'importe comment, c'est que vous savez vous-même qui vous manipule, c'est Satan. Et à force de rester sous la puissance de Satan, tu risques ta vie en fait. Et tu risques la vie de beaucoup de personnes parce qu'il va t'utiliser pour faire du mal. Donc il faut que tu brises le joug de Satan et que tu portes le joug de Christ qui te conduira dans la voie de Dieu.
à laquelle tu dois te soumettre de tout ton cœur. Parce que c'est un avantage. Vous savez, quand vous êtes perdu, tout ce que vous voulez, c'est que quelqu'un vous dise, tu es où? Oh, je suis ici. Et c'est la personne qui va te dire comment tu vas sortir de là. Voici, c'est par ici, passe par là. Donc, tu ne peux pas dire, je suis perdu. Et quand maintenant, le Seigneur vient pour vouloir te guider, tu dis, oh, moi-même, je connais. Non, tu ne connais pas. Tu es toujours dans des cercles vicieux. Mais quand tu suis celui qui connaît le chemin et tu te soumets à ses directives, alors tu es sage. Il est temps, bien-aimé, que nous laissons le Seigneur régner dans nos vies et dans nos maisons et que nous devons le craindre dans nos maisons. Et il y a beaucoup de choses à faire dans nos maisons pour que Dieu puisse s'y installer. Enlever le désordre, déjà, le désordre qui est déjà l'être intérieur doit être ordonné. On est des hommes de foi. La parole de Dieu est une lampe à notre pied, une lumière sur notre sentier. Et quand vous avez entendu, il faut rendre grâce au Seigneur, il faut l'adorer, il faut chanter des cantiques, il faut chanter avec comme total praise, même chez toi à la maison. Vous voyez, tout ça, c'est très important pour installer la gloire de Dieu dans ta vie. Et de l'autre côté, nous savons quoi faire les uns vis-à-vis des autres. L'époux sait ce qu'il doit à l'épouse, l'épouse sait ce qu'il doit à l'époux, les parents savent ce qu'ils doivent aux enfants, les enfants savent ce qu'ils doivent aux parents, et nous savons ce que nous nous devons les uns les autres en tant que bien-aimés du Seigneur, dans la maison du Seigneur. Nous nous devons beaucoup d'amour et de fraternité, et nous savons ce que nous devons aussi à notre génération, nous donner nous-mêmes en exemple pour que notre génération connaisse que Dieu qui a parlé dès le commencement, sa parole ne peut pas être révoquée. Et de génération en génération, cette parole n'est pas démodée. Et je voulais terminer en disant que le débat qui est là avec les hommes de science, qui sur ce que j'ai évoqué tout à l'heure, eux-mêmes, ils se sont dit, mais comment se fait-il qu'il y a des milliers d'années, alors que toutes les puissances de l'époque adoraient des idoles? Toutes les cultures adoraient des statues, le soleil, la lune, pensaient que dans les arbres, il y a des esprits, tout ça, ils étaient tous, en fait, dans cette idolâtrie. Comment se fait-il qu'un homme, Abraham, un bédouin avec ses troupeaux, se lève pour dire, j'ai une révélation, et dit que tout ça que vous voyez, les lunes, ce n'est pas des dieux, ce sont que des lampadaires, dans les arbres, il n'y a pas de dieux, tout ça, ce n'est pas de dieux, il y a un seul Dieu créateur, tac, 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 et ils disent, mais comment ils ont pu, à cette époque-là, alors qu'ils n'étaient pas parmi, ni les philosophes, ni ici, comment ils ont pu cocher juste toutes les cases? Je l'ai souvent dit ici, la vraie connaissance vient de la révélation de celui qui est Dieu, qui nous révèle les choses. Et puis après, le journaliste dit que oui, mais bon, dans la Bible, quand même, il est écrit qu'on a dit que la terre est plate. Il dit, ben, je mets quiconque au défi de me montrer que dans la Bible, c'est écrit que la terre est plate, ça n'existe pas. Ben oui, souvent c'est ça en fait. Au lieu de lire la Bible, tu entends tout ce qu'on dit, alors que ce n'est même pas vrai. Mais nous, en tant que les héritiers de la révélation que ces personnes ont reçue depuis des millénaires, et cette révélation est arrivée jusqu'à nous, reconnaissez la vérité, la sagesse de Dieu. La Bible, c'est un livre de science. Quand vous voyez tout ce que ces personnes ont dit, jusqu'à aujourd'hui, la science ne fait que confirmer les choses que Dieu a dites d'avance au travers de ses prophètes. Et quand vous voyez des choses comme ça, vous avez la responsabilité de faire connaître le vrai Dieu à votre génération. Et vous devez en être fier. C'est pour ça qu'il faut le louer, il faut louer le Seigneur, il faut l'adorer, parce que vous voyez vous-même. C'est une parole tout à fait crédible de génération en génération. Alors, bien-aimé, que la crainte de Dieu vienne sur nous, maintenant même. Qu'elle soit acceptée. Parce que qu'est-ce qui nous unit? C'est l'amour de Dieu. Qu'est-ce qui nous unit? C'est la connaissance de Dieu. Qu'est-ce qui nous unit? C'est la crainte de Dieu. Et en étant, nous tous, un peuple qui craint Dieu, alors nous allons pouvoir marcher ensemble dans cette crainte. Et nous n'allons plus nous devoir des choses mauvaises, mais des bonnes choses par crainte pour le Seigneur, qui aime nous voir, nous aimer les uns les autres. Le Seigneur Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres, et qu'à cela le monde reconnaisse que vous êtes mes disciples. Ça veut dire que Dieu ne veut pas qu'on nous reconnaisse comme des disciples, parce que comme des moines, on porte je ne sais pas quoi, ou par des attitudes de piété, non. C'est par l'amour que le monde doit reconnaître que cet amour, c'est l'amour de Jésus. Et cet amour manque. Il faut que cet amour soit libéré. Il faut que tu libères cet amour.
parce que maintenant tu crains le Seigneur, parce que tu as entendu et que tu sais que tu aimes le Seigneur et que tu vas ajouter à cet amour la crainte de Dieu pour lui obéir et faire sa volonté. Alors bien-aimé, tiens-toi debout devant le Seigneur. Nous allons prier parce que ces choses viennent d'en haut. Ces choses viennent d'en haut. Le Seigneur dit que celui qui n'a pas d'intelligence, qu'il demande. La sagesse, ça se demande. La crainte de Dieu, ça se demande. Tu peux demander au Seigneur, « Seigneur, je veux la crainte de toi dans ma vie. » Et le Seigneur va te donner. Tu vas prier, tu vas jeûner pour la crainte de Dieu. Et le Seigneur va te donner la crainte de son nom. Et cela sera un grand bénéfice pour toi. Parce que la présence de Dieu va s'intensifier au milieu de toi. Et son onction va te oindre. Dieu va te sanctifier encore dans un degré supérieur. Parce que désormais, tu vas tourner cette fois la langue avant de parler. Pour savoir si c'est conforme au Seigneur. Désormais, tu vas t'abstenir du mal. Tu vas t'abstenir d'écouter des choses vaines. Parce que tu vas, au contraire, rester dans les psaumes, dans les hymnes, parce que tu veux entretenir ta relation avec le Seigneur. Alors répète après moi, bien-aimé, Seigneur Jésus, Dieu vivant, voici j'ai entendu ta parole et je me suis laissé toucher, car je reconnais que tu es digne de ma crainte. Maintenant, je ne crains pas les idoles de ce monde. Je ne crains pas les choses qui sont dans le monde, mais je te crains, toi, le seul vrai Dieu. Car je contemple l'œuvre que tu as faite et je vois combien tu es grand. Quand je considère à ton œuvre en moi, je vois combien tu es digne. Aujourd'hui, Seigneur, mon cœur est rempli d'amour pour toi et j'accepte de te connaître, toi, le seul vrai Dieu. C'est pourquoi dépose dans mon cœur aujourd'hui la crainte de ton nom. Afin qu'en toute chose, je connaisse que tu es avec moi et que tu vois et que tu sondes mon cœur et mes reins. Et je veux savoir d'avance que dans ce que je pense, dans ce que je dis ou dans ce que je vais faire, je le fais devant toi. Et je choisis de te craindre. Je choisis de veiller à mes paroles et à mes actions, pour ne pas m'éloigner de toi, Seigneur. Car je ne veux pas que tu puisses t'éloigner de moi, mais que tu viennes dans ma vie, car je suis ton serviteur, ta servante. Enseigne-moi la voie que je dois suivre. Enseigne-moi comment je dois me comporter quotidiennement avec mon prochain, Seigneur. Loin ma vie, Seigneur, de la connaissance de ton nom, afin que ta gloire habite au milieu de moi et que ma génération voit la lumière. Je te fais confiance, Saint-Esprit, car c'est toi qui accomplis cette parole en moi. Je ne l'ai pas entendue en vain. C'est afin qu'elle produise un grand fruit, Seigneur, de la crainte de Dieu. C'est afin que la crainte de toi vienne dans ma maison, dans ma famille. C'est que la crainte de toi, Seigneur, puisse s'ériger au milieu de nous, Seigneur. Parce que tu es digne et nous voulons te servir de tout notre cœur, car tu as fait pour nous des prodiges. Merci Seigneur pour ce changement radical. Merci Seigneur pour ce fondement solide de ma piété aujourd'hui, afin que je sois comme Lévi pour te craindre Seigneur et détourner beaucoup d'hommes de la mauvaise voie. Merci Seigneur.